La délégation du Bureau des soutiens Jeunesse du Progrès et du Salut, JPS-MPS, a été accueillie avec visage souriant et une grande ferveur par les militants à l'entrée de la ville d'Ati. Elle a ensuite été conduite en grande pompe à la place des cérémonies où le bureau provincial a été ouvert et le coordinateur provincial Abderrazak Abdelmoutalib installé à la tête d'une grande équipe. Celui-ci a réaffirmé l'engagement et la détermination de son équipe à œuvrer pour la victoire du parti aux prochaines élections présidentielles et législatives. Pour sa part, le secrétaire général provincial du MPS du Bata, Brahim Senoussi, imam, après avoir salué l'ouverture du bureau JPS à Ati, appelé au respect de la hiérarchie dans l'action politique. La mobilisation d'Ati, chef-lieu de la province du Bata, prouve que cette ville demeure toujours fief du MPS, selon le coordinateur national du JPS-MPS, Hissène Bosquet, Khamis Togoï. La ville d'Ati a été toujours le fief du mouvement patriotique du salut. La renaissance du Tchad a vu le jour dans cette ville. 1er décembre 2010. Vous avez un travail qui vous attend. Ce sont 4 quartiers à installer. Fort de son slogan « Jeunesse, poids et force majeure pour les élections », le bureau JPS-MPS compte mobiliser la jeunesse du parti dans l'ensemble du territoire national pour mieux affronter les échéances électorales à venir.